vois qu'il y a des gens qui arrivent de Paris, qui ont pris l'avion de... Attends, ça fait quoi, 24 heures pour voyager? Ça fera plus de 24 heures. Là, les meufs, ça fait 24 heures que vous voyagez. Les meufs de Paris, elles arrivent de Paris, elles ont fait Paris-Dubaï, escale à Dubaï, Dubaï-Malais. C'est un long périple. Ça se mérite, les Maldives. On peut avoir notre petite Inès à l'image. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? On a un petit peu chaud. On a très chaud. On n'a pas envie d'un petit cocktail de bienvenue et d'une petite fleur qu'on met ici, tu sais. Ouais, ouais, là on n'est pas du tout dans l'accueil comédie romantique. Là on est plutôt en mode des rapports entre nous. Ça goûte entre les uns. Tu connais, toi, tu sais, ça goûte. Allez meuf, ça va ou quoi? C'est pas un cruise. Coucou. Et nous voici arrivés après 10h. Les gars, ils ont oublié ma valise. Enfin, ils l'ont retirée volontairement parce qu'elle est trop de poids. Mais c'est pas grave. On est en valise. Une soirée peignoir ce soir. Voilà. Benza. Ouais. Ce soir, on va dîner en peignoir. Et puis au pire, je vais squatter aux copines. Des petites choses. Voilà. On a trouvé. Trop sympa. Les gars, je viens d'arriver dans ma chambre. C'est un truc de ouf. Attendez, je vous montre. Alors, ils ont perdu ma valise, mais au moins j'ai un petit vestiaire qui m'attend. Je vous montrerai tout demain à la lumière du jour. Mais là, j'avais fait une sélection de chaussures, je vous montrerai. Oh là là, mais ça à la lumière du jour. Mais regardez-moi ça, c'est pas un bail de lover, s'il vous plaît. Sauf que je suis solo et ça, c'est le feu. Je suis en couple avec moi-même. Qui mieux que moi, franchement. Alors là, j'ai carrément l'appel de la mer, mon élément préféré au monde. Oh waouh, oh, je suis chaud. Attendez, mais quoi? Mais vous voyez pas? Non. Allô? J'ai un pilotis de bâtard avec une piscine. Mais pour moi, ça, toute seule? Waouh, incroyable. Oh waouh, franchement, incroyable. Incroyable, je suis choquée. Oh my god, tellement hâte de voir ça en plein jour. Les gars, là, il y a une piscine qui donne sur la mer. Enfin, c'est des Maldives, quoi, mais la taille du truc, genre. Attendez, les meufs de l'autre côté qui ont le pilotier à côté. Attendez, je vais essayer d'aller les voir. Écoutez-les. Demain matin, ce soir après le dîner, les filles. Eh, les filles, c'est ce soir après le dîner, hein. Pas demain matin. Coupe de champ de piscine direct. Incroyable. Ouais, ok. Ok, ils ont pas blagué en fait, influence. C'est incroyable. Bienvenue aux Maldives. Celle devant aussi, elle est trop cool. Mais franchement, de nuit, ça rend pas de ouf comme ça. Mais je vais vous montrer. La baignoire, oh kiff absolu. Bon, j'ai pas de valise, mais j'ai une chambre qui est quand même assez ouf. Et ça, les gars, c'est incroyable. C'est ouf. Je vous montrerai tout demain. Là, je vais aller me doucher. Bon, regardez, on est vraiment des gros beaufs. On est quand même dans un resort de malade. J'ai lancé une idée de merde sur le bateau en disant venez, on vient tous habiller au dîner en peignoir. Allô? Peignoir pour tout le monde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hello. Quoi? Salut. Un revenant après les vlogs de Coachella. Voilà. Triple A. Credits are right. Hang up the phone and let your heart break. Crabes, les gars, je vous jure. Oui, oui, c'est des crabes. Oh putain. Oh, il y en a plein, il a raison, il y en a plein. Ils ont peur, ils ont peur. Il y en a plein. Oh my god. Mais c'est quoi? Il y en a plein. Mais c'est des crabes, mais chelou, genre gris. Mais regarde. Oh waouh. C'est des araignées de mer. Ah, mais c'est pas des crabes, c'est pas des crabes. Il y en a de petits là. Mais c'est des crabes, si, c'est des crabes. Diego, c'est des crabes chelous en vrai. Non, mais c'est une blague. Diego, regarde là. Il y en a plein. Regarde. Bon bah c'était super. Ouais. C'était super rigolo. J'espère que tout le monde va bien. Je me suis réveillée tôt. En fait, le bruit des vagues m'a réveillée et je me suis fait défoncer par les moustiques. C'est pas grave, j'étais trop excitée, j'avais trop envie de sortir du lit, donc j'ai pas beaucoup dormi. Et là, je me déterre pour aller faire une séance de sport classique. Le matin, on réveille. Oh, putain, j'ai peur. Un gros lézard. C'est quoi ça? C'est une noix de coco qui tombe? Oh putain. Je suis trouillarde, c'est chaud. Bref, là, je vais quand même emprunter. Il y a des bruits partout dans les arbres. Je vais chez Flora emprunter une tenue de sport parce que j'ai toujours pas ma valise. Et voilà, attendez, je vous montre vite fait, regardez. Pas ma gueule, mais ça. Il est tôt, il est 8h30. On va se faire attaquer. On va se faire attaquer de ouf. Alors attends, là, il m'avait dit de continuer. Ah mais regarde, il y a des panneaux. C'est trop stylé de ouf. Mais vous savez où est la salle en vrai? Juste derrière. Il faut passer par là? Je pense que tu peux la rejoindre, ouais, là-bas. On va à l'île de Joie. L'île de Joie. C'est quoi l'île de Joie? On va voir. Attends, billard c'est vraiment chambé par contre. Billard c'est un vrai délire. Oh regarde. Ah mais oui, mais ça c'est du reformer. Pas méga former. Ah mais c'est trop stylé.
C'est ça la salle de sport? Non, non, non. Ah non, j'ai eu peur. Là, c'est la salle de sport. Elle est petite, mais il y a ce qu'il faut. Attends, on va voir. Merci. Ok, est-ce qu'il y a un elliptique? Oui. Ambiance techno. Ouais, petit poids, petit ou 6 kilos max. Attends. Ah ouais, oui, d'accord. C'est marrant, il n'y a pas plus que 6 kilos. Pas montré, regardez, on a reçu des petits gifts qu'on a pu sélectionner en amont. Je viens de rentrer dans ma chambre et là je les découvre. Du coup, j'ai fait une petite sélection Pandora que dorée, évidemment, vous me connaissez. Dès que je les porte, je vous montre. J'ai reçu ma valise, je suis très contente. Les gars, j'ai une demi-heure pour ranger mes affaires, me doucher, me préparer. J'espère qu'ils l'ont pas retourné, putain. C'est la guerre dans cette valise. Bon, allez, c'est parti. Attends, parce que j'en ai d'autres qu'on m'a mis. Mais est-ce que je les mets tous? Juste la chaîne, c'est joli, non? J'ai pas besoin d'en mettre une tonne, non? T'en penses quoi? Bah là, en fait, la chaîne, elle va pas bouger. Genre ça, c'est ta sécurité pour si jamais il s'ouvre, tu peux pas tomber ton poignet, tu vois ce que je veux dire? Putain, on a pris tout pareil comme ça. La on chaîne, a des points communs, Louise. C'est qu'on aime le doré. On aime le doré. T'as pris quoi, toi, en argenté? Tout en doré. Amélia, Pandora, Amélia. Regarde, on est sur du placement, sur du vlog là. Merci, c'est joli, non? C'est trop mignon. Voilà, j'ai mis mes petits bijoux à Pandora. Petite accumulation de bagues. Là, j'ai mis une petite boucle d'oreille, des bracelets. Je suis nulle pour m'auto-filmer, mais j'aime bien. C'est joli sur une peau dorée, ça. C'est un resort qui a vraiment œuvré depuis 2011 pour être le plus sustainable possible. On n'est pas ici dans un environnement où on n'a pas de considération pour les enjeux, de chacun aujourd'hui. Ils ont su créer un écosystème qui à la fois permet de profiter du paradis comme on aimerait le vivre au quotidien, tout en ayant une conscience environnementale qui soit hyper logique et sustainable. Donc, autour des activités qu'on fera, vous risquez de trouver l'un de ces parchemins. Quand vous allez trouver un parchemin, vous allez pouvoir le dérouler et vous allez trouver... C'est pas sur votre compte les gars, c'est pas sur votre compte. Le but c'est évidemment d'en récolter le plus possible. Pourquoi? Parce que la somme cumulée de tous les parchemins qu'on aura trouvés sera reversée à l'UNICEF. J'en mets, bravo. Là, ça peut commencer avec Oscar et Ravi. Je repasse vite fait dans la chambre, je vais quand même prendre des fringues au cas où genre la lumière est ouf sur le bateau, bah je shooterai. Je suis contente, demain soir je mixe, vous l'avez pas dit, putain ça fait des années que j'ai pas mixé, ils me mettent une pression. J'ai même pas de clé USB, j'ai pas mes morceaux, j'ai rien, faut que je retélécharge tout. Donc je le ferai sûrement ce soir, attendez je cherche mon vélo. Ah non, il est pas là. Bref, donc petit programme sympa quand même, on va aller voir les requins. Il est où mon vélo? Putain, il est où mon vélo? S'il y a quelqu'un qui m'a pété à mon vélo, je sers. Je crois qu'on m'a pété à mon vélo, c'est pas une blague. Je sais où je l'ai mis. Je suis mauvaise, j'ai failli accuser quelqu'un. Je leur ai dit les meufs, j'ai trop peur d'y aller et j'y suis allée. Au moins, il y a quelqu'un qui m'a filmé dans l'eau, hein? Je me suis posée, retour les requins à la piscine qui est pas très loin de la villa qu'on a. Les gars, il pleut. Il pleut. Pas très grave. Ils sont censés me rejoindre les autres, mais j'y crois pas trop. Je vous montre, c'est trop beau. Là, je suis censée mixer demain, les gars, mais j'ai rep parce qu'en réalité, ça ne sera pas que pour nous. On peut pas empêcher les gens de venir boire un verre ici. Je suis trop nulle. Les mecs, ils étaient à la plage et moi, j'étais la seule bolos, genre à la piscine. Alors que je préfère mille fois plus la mer que la piscine. Il y a toujours deux teams comme ça, tu sais, quand tu pars en vacances ou dans un lieu comme ça. Il y a ceux qui restent à la piscine et il y a ceux qui vont au bord de la mer. Et moi, je sais pas, genre, je me souviens que quand j'étais petite, ma mère disait « Mais c'est pas possible, si vous avez la mer à portée de main, vous ne pouvez pas rester au bord de la piscine. »
C'est un truc qui m'est resté et c'est vrai que la mer, au-delà d'être la mer, attention je te fais une Vandame, c'est un élément naturel de ouf et le sel c'est très bon pour les énergies. Tremper dans de l'eau salée c'est très très bon. Donc souvent ce que je fais c'est que je me baigne et je garde un peu le sel sur moi. Ouais je suis folle. Donc voilà, c'est une source de magnésium ou je sais pas ce que je vous raconte comme connerie mais c'est bon en tout cas. Attends, merci Mathieu. Qui mieux que nous. 23h karaoké, ça va être la guerre. Organisé, ils ont fait un setup de malade sur la plage, petit cocktail. Oh là là, mais c'est fou. C'est le karaoké de mes rêves. Incroyable ce que vous nous avez fait. Putain, j'adore les karaokés. Je suis une grosse beauf. I know. Balek. Mais alors, un karaoké avec la mère, les copains. Oh, je vois du Céline. Oh, je vois du Axel Red. Oh putain, ça va être le feu. Il y a quoi d'autre? Gilbert Montagnier, je suis pas très chaud. Il y a un petit Larousseau qui traîne ou pas, tu crois? Il y a un petit Larousseau, c'est pas mal. Ah ouais, bon, ça va être marrant. On va rigoler. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le jour 2 aux Maldives. Je n'ai rien fait encore de la journée et il est 16h. Je vous explique, on s'est levé ce matin, levé des cordes et on devait partir en excursion pour voir des dauphins. Ça a été annulé et moi j'ai dormi 4h la veille. Donc bon, je me suis dit je vais rester un peu dans la chambre puisque ce soir c'est la fameuse soirée où je mixe. Sachant que je n'ai pas mixé depuis des années, ouais je suis en train de préparer un shooting pour tout à l'heure. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu tout ça, essayer de télécharger des morceaux. Attendez, je baisse la musique. Le problème qu'on a, c'est qu'on a une connexion qui est un peu naze et du coup je n'arrive pas à télécharger mes morceaux pour la soirée. Donc depuis ce matin je suis en panique parce que j'ai pas assez de morceaux, enfin il faut, bref c'est un peu compliqué. En gros il faut que j'importe des morceaux, des fichiers MP3 pour pouvoir les mettre sur les platines machin, faut, peu importe. Mais j'en ai pas assez pour tenir une soirée entière et j'ai pas la sélection que j'aimerais parce que je suis venue sans mes clés USB, les clés USB où contiennent tous mes morceaux. Et moi maintenant, enfin je pense comme tout le monde, j'écoute sur Spotify etc et je télécharge pas forcément les morceaux, je les ai pas en propre dans mon ordi quoi. Donc c'est un peu l'enfer parce que du coup bah je peux pas mixer, enfin je peux mais pas suffisamment longtemps. Du coup là je remue ciel et terre auprès de mes potes pour qu'ils puissent m'envoyer via WeTransfer des fichiers des morceaux. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. C'était pas censé se passer comme ça, c'était censé se passer convenablement. J'avais pas anticipé qu'il y avait pas de bonne connexion. Voilà, donc là je prépare le shoot qui va démarrer d'ici 1h30, un truc comme ça. Paul va venir me coiffer, je vais shooter, je fais 1 heure de shoot, j'enchaîne les tenues, bam bam bam, maillot de bain, tenue etc au sunset. Ensuite ça part dîner et ensuite la soirée. Voilà, donc je vais même pas avoir le temps de m'exposer, ce qui n'est pas grave en fait, mais voilà, c'est le jour numéro 2 quoi. Let's go shooting avec Shadi, la star des photographes de Dubaï. Elles sont où ces photos, vous allez voir, c'est éclate depuis tout à l'heure. On est sur un petit dos là avec Ariane au platine. Oriane, pourquoi je dis Ariane? Alors, je suis fan, c'est hilarant. Musique by Kenza. Allô, c'est ma grosse tête. Je vous montre mon petit setup. You. Je suis
partis en pourri. On a galéré les gars, on a vraiment galéré parce qu'en fait la connexion elle est mauvaise. J'ai pas mes clés USB. Du coup il a fallu qu'on recharge tous les morceaux. J'ai passé la journée à faire ça, j'ai pas réussi. Et là les filles, Oriane et Johanna y arrivent. Je sais pas genre comment, je sais même pas comment vous réussissez à télécharger. Donc c'est plutôt cool, du coup je vais pouvoir mixer les morceaux. Mais du coup moi qui voulais faire une soirée un peu genre commerciale, pop et tout machin, là ça va être très hip-hop du coup. Les gens ils vont devoir s'adapter. Bah oui, tant mieux pour nous. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on. Well, shop full of art. Old dreams dying hard. He wants you to return his love. Ok, retour d'activité. On n'a pas vu les dauphins. C'est pas grave, on a pu se baigner sur une petite île qui était beaucoup trop belle. Et j'ai pas fait mon sport du coup ce matin. Donc là, je vais aller me rattraper. Et en fait, juste après ça, on va faire un beach volley. Donc je suis trop contente, j'adore ça. Voilà les amis, c'est parti. Petit vélo, comme d'hab. Aïssa. Aïssa. Endis. Je fais comment du coup? On est censé faire un beach volley là. Il n'y a pas de beach volley du tout. Nope. Merde, attends. Ah ouais, non, il pleut pour de vrai, genre. J'y vais ou j'y vais pas? Putain, attends. Ah, ça me saoule. J'appelle la team influence et je vous update. Mais c'est Polo Paul Pogba. Il est de retour dans les vlogs. C'était la star des vlogs de Coachella. Qui se souvient? We're back. Raconte-nous, mon pote, comment ça se passe les Maldives? Ça se passe trop bien les Maldives. C'est beau. Là, bon, là, il pleut. Il n'y a pas une tornade là-bas en vrai? Non, mais sans déc. Il faut savoir que c'est Paul et mes deux autres agents ici présents. Vous voulez pas montrer vos têtes, les filles? On a Johanna, hello, et Oriane. Coco. Vous avez déjà vu, c'est grâce à eux qu'on est tous là. Eux qui s'occupent de nous comme des nounous. Ouais, exactement. Ouais. On prend sous nos bras. Vous nous connaissez? On vous dorlote. C'est le moment des révélations, les gars. Faites de la musique, vous n'êtes pas prêts. On fait une hands down. Je vais vous dire très bientôt le lieu. Mais ça va être une guerre atomique. Bon les gars, voilà, c'était la petite update des agents et de Polo Paul Pogba. Je pense qu'il va falloir qu'on aille se préparer car on a un vide dans le là, c'est la tempête. Ouais, on va y aller. À toutes. T'as trouvé mon affiche, bah, musique by Kenza. Incroyable, non mais cette photo s'il te plaît, comment je me la raconte, family party. Tu sais que le barman il m'a dit qu'est-ce qu'il mixe, etc. J'ai dit que c'était un talent de l'agence, et je lui ai dit genre tu connais pas DJ Kenz. Je l'ai envoyé sur ton, mais oui, je l'ai envoyé sur ton Insta, il a fait oh je vais aller la suivre, j'aime trop la musique et tout machin. Je lui ai dit mais tu connais pas, il fait des dates dans toute la planète pour... Mytho de ouf. Il va arriver, il va se pointer à une hands down à Paris, il va prendre l'avion juste pour venir à une hands down. Ouais, mais tu sais, je vais le garder en souvenir, ça par contre. Ça part sur un frigo, hein. Ah ouais, sur le Smeg. Boum. Merci mon Paul, c'est trop mignon en vrai. 24 avril, Ayadari Sainte-Maldive. Boum. J'adore. Ouh, ça passe ça. Ah ouais. Ça, je me suis quand même envoyé deux parts de pizza et là, je m'envoie un petit plat de pâtes au KLM. C'est bien pour une meuf qui voulait être en détox, c'est bien. Balek. One life. Vous avez remarqué qu'avec ces buffets, on fait des repas tous sauf équilibrés. T'as quand même fait une assiette de riz et de pizza. Non mais on se respecte absolument pas. Surtout les couleurs, c'est un soir, pas en rouge, beige. Ah mais c'est si bon. C'est très bon.
musicaux.